Allez, un petit morceau pour nous détendre. All stay together, all green. Allez, on partage ce petit moment-là. Ah, un petit peu de douceur pour commencer un épisode, c'est pas mal, non ? Hello, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Ça fait déjà 3 jours que je suis sur le Marathon des Sables. Et aujourd'hui, au programme, c'est l'étape numéro 2. Une étape de 38,5 km que va vous présenter un petit peu plus tard dans l'épisode Patrick Bauer, en guise de discours inaugural. Et pour lancer l'étape, il vous en dira un petit peu plus sur cette étape qui est marquée par un passage assez exceptionnel sur le Djebel El Otfal. C'est une petite montagne donc, sur laquelle il y a une ascension assez importante à faire et derrière une grande descente dans laquelle les coureurs peuvent s'élancer dans les dunes. La journée a été très particulière puisque une tempête de vent s'est levée à partir de l'arrivée, je crois, du 15 ou 20e concurrent. Donc c'est passé sans difficulté pour les premiers. Je pense que toute la suite de course a connu pas mal de difficultés. Là, le village et le bivouac est un peu sans dessus dessous avec des rafales extrêmement fortes. Donc voilà, je viens d'aller voir Claude et Sam qui vont nous raconter un peu comment s'est passée cette journée. Vous l'entendrez, les conditions étaient assez épiques pour le coup. Et voilà, j'ai hâte de retrouver Frédéric et Cécile aussi pour qu'ils nous partagent avec nous cette deuxième étape. Et Meryl qui a vraiment super bien marché aujourd'hui. Je vous laisse avec Patrick qui va vous raconter les grandes lignes de cette deuxième étape. On va commencer déjà par vous souhaiter une très belle journée ensoleillée. Ça va être une étape magnifique, vous allez en prendre plein les yeux. Vous allez voir, c'est génial. J'espère que vous avez bien dormi parce que la récupération c'est super important le soir. Et puis si vous gérez bien votre eau pour l'avoir au départ chaque matin, l'eau du soir pour l'avoir le matin puisqu'on ne donne pas d'eau le matin. Donc pensez à ça chaque jour. À avoir de quoi au moins 1,5 litre d'eau chaque matin pour le départ. Alors un petit mot rapide Guillaume sur le classement à l'issue de l'étape d'hier. Chez les hommes, classement général, Maroc, Rachid El Morabiti en tête, qui va chercher une 9e victoire. Évidemment cette année c'est son objectif. Petite surprise qui n'en est pas vraiment une, c'est Aziz Yachou, la révélation du MDS du mois d'octobre. Il fait 2e au général, Maroc suivi de Mohamed El Morabiti, le frère de Rachid, en 3e position. Donc, pole position, 3 pour le Maroc. Et attention, 4e et 5e place au général, 2 Français, Cédric Fleurton et Julien Chaurier. Alors, chez les filles, on l'avait annoncé comme une vraie comète, n'est-ce pas ? C'est Ana Comet, Espagne, qui prend la tête du classement féminin. Suivi de Sylvain Cusso, France. 2e position, Sylvain. Then the French woman. Bravo. Aziza Raji en 3e position qui a gagné l'an passé. Donc, qui doit faire face à des challengeuses voilà, qui ont envie de se bagarrer aussi. Donc, bravo Aziza en tout cas. Il n'y a rien de définitif. Belle 3e place. Alors, attention, maintenant des informations très importantes sur l'étape d'aujourd'hui. Étape numéro 2 fait 38,5 km. Donc, c'est une longue étape. Vous allez voir, c'est aussi. Il y a du sable, il n'y a pas que du sable, il y a des grands plateaux, mais il y a du sable aussi. Donc une étape à gérer avec beaucoup de délicatesse, on va dire. Pourquoi ? Parce que vous avez 3 checkpoints déjà, assez régulièrement, tous les 10 km environ. Temps maximum autorisé pour faire cette étape, 11h30 au total. Donc ce qui vous laisse un temps en moyenne de 3,7 km/h de moyenne sans les arrêts. Donc c'est tout à fait jouable, franchement. Vous êtes ce matin sur la ligne de départ, exactement 896 participantes et participants, sachant que hier nous avons dû avoir 6 abandons malheureusement, qui repartent ce matin sur Ouarzazate. Donc voilà, comme d'habitude, on pense à ces 6 personnes qui sont préparées, entraînées, qui malheureusement, les handicaps sur la course ont fait que voilà, ils ne peuvent pas poursuivre l'aventure avec nous. Donc voilà. Une petite pensée pour chacune et chacun, chacun d'entre nous. Pensez à votre hydratation régulière, n'attendez pas d'avoir soif pour vous hydrater. Bien gérer votre eau et n'oubliez surtout pas de prendre vos pastilles de sel. C'est complètement indispensable, s'il vous plaît. Gérez bien, pensez au kilomètre 37, vous devez arriver avant 16h40, ça c'est très très important pour continuer. La compétition, ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir aller plus loin. J'ai dit 16h40, hein, c'est ça. Et je vous attends au CP1 du premier au dernier. Donc à tout à l'heure au checkpoint numéro 1. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Good luck à tous! Roulage magnifique, super bon départ avec les drones. Beautiful! Très belle journée! Et comptez sur nous, on est là, tous les CPS, si on veut bien quoi que ce soit. N'hésitez pas. Moi aussi.
Et on a combien? On en a 4 ici. C'est pas sûr que ça rentre dans la chaussure. C'est quoi ces guêtres maison là? Ça va Guillaume, ça c'est les guêtres médicales. C'est quand tu as ça au pied, ça veut dire que déjà tu vas pas aller faire la fête le soir, t'as vu? C'est pour protéger quoi. Déjà tu rentres pas en boîte avec des trucs comme ça? Non, réellement ça c'est pour protéger du sable. Je viens de me faire les soins des ampoules et je peux compter 6 sur 10 orteils touchés. Donc joli moi, score. On n'est pas à moitié de course, je suis déjà au-dessus des moitiés de mes orteils, ça s'annonce compliqué. On est aujourd'hui avec Sam aussi, petit coucou. Enchanté, enchanté. Ravi de te recevoir, il faut avoir le bras long là, il y a beaucoup de vent, les conditions sont pas ouf. Ma première question c'est, qui a allumé le ventilateur là aujourd'hui? Je crois que c'est ça c'est un coup ça, des locaux ça. Ils veulent voir si vraiment on est digne de leur désert. Globalement tout le monde a pris très cher là avec la tempête, vous êtes passé à travers vous? Non, c'est les 15 premiers qui sont passés à travers a priori, nous on est passé en plein dedans. Toi Sam? Ouais, on est passé en plein dedans, en plein de tempêtes, on voyait même pas la ligne d'arrivée, etc. Donc, compliqué aujourd'hui. Donc c'est l'heure des classements, vous avez fini ensemble, j'ai découvert ça en voyant ça à l'arrivée. T'as peut-être été un peu devant, Sam, au début? Ouais, je suis parti, j'étais devant. Mais je me suis senti très mal, j'ai commencé à avoir mal au ventre après le CP1. J'ai eu quelques vomissements et donc j'ai pas mal marché et tout, et donc j'ai retrouvé Claude. Claude était un peu perdu sans toi d'ailleurs en arrivant au CP1, il m'a tout de suite demandé, il m'a vu, il a dit oui, il est où Sam? Ouais, je voulais savoir s'il était passé il y a combien de temps pour voir un peu son état de forme. Et voilà, donc à chaque fois, à chaque CP, je demande où il est, pour le situer. Tu prends des nouvelles de la famille. Voilà, et puis j'ai croisé un coureur qui m'a dit, j'ai vu Sam, là, il est pas trop bien, moi je suis pas bien, je vais marcher, il est pas très loin devant. Donc j'ai dit, bon bah dans ce cas-là, je vais essayer de l'attraper et qu'on finisse ensemble. C'est ce qui s'est passé. Parfait. Donc c'est le moment des résultats. Alors Sam, vous avez fini tous les deux à peu près en même temps, il y en a un qui est devant l'autre. Donc je connais toi ton classement Claude, donc 133e. Aujourd'hui? Ouais, donc 50 places de mieux qu'hier. Ah, belle surprise. Et au général tu prends 38 places, donc 143. 143e au général, ça va pas rester comme ça. Demain je vais marcher, je pense que je vais en prendre 143 en marche arrière. Donc toi Sam, pareil, tu es en même position à peu près, 132 ou 134, ouais. Truc du genre. Content? Aujourd'hui non, pas content, je le dis honnêtement, mais j'espère que demain ça ira mieux. De toute façon moi je le sens tout de suite, dès le début de la course je sais comment ça va se passer après. Je sens tout de suite si je suis en forme ou pas. Le Djebel, vous avez pu en profiter? Le Djebel, j'ai surtout regardé mes pieds, mais après arrivé en haut, franchement j'avoue le panorama était ouf. Ça se mérite hein, le Djebel, hein, c'est clair. Et j'ai ouï dire que demain on se le referait en sens inverse. Donc pour l'instant, je te dirai si demain je le trouve encore bien ou pas le Djebel. C'est un exercice délicat, t'as trouvé Sam? Ouais. Après j'ai préféré l'ascension du Djebel parce qu'il y a des pierres, etc. Plutôt que de marcher dans les dunes où là c'est vraiment très compliqué quoi. En plus j'ai des petits pieds, je suis assez petit donc je fais beaucoup plus de pas pour avancer. Ouais. La descente, vous avez fait les foufous ou pas? Vite fait, ouais. Après pour le coup c'est pas le... Ça descend, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent, donc pour le coup tu peux te lâcher un peu plus, mais ça reste toujours dangereux, t'as toujours une pierre qui peut être cachée, tu la vois pas, et moi j'essaie d'être vigilant là-dessus pour pas que ça tape trop sur le pied, donc j'ai pas été comme j'aurais aimé. Ah oui, la descente, très bien, ouais, on a pu accélérer un petit peu, mais après faut toujours être vigilant, ouais, parce que les pierres sont cachées comme a dit Claude, mais après le CP3 était pas loin, donc ça motive aussi beaucoup. Ouais. T'as pas de bobo Sam? Non, moi j'ai quelques ampoules au pied, mais voilà, j'ai percé tout ça, donc à voir demain, j'espère que j'en aurai pas plus. Le moral est bon, globalement? Ouais, après j'ai quand même déjà les pieds bien entamés, donc et on n'est que pas encore à la moitié, donc à voir comment demain les pieds réagissent, et en fonction de ça, je vais essayer de ralentir pour arriver le plus frais possible pour les 80. Je pense qu'une fois que t'as passé les 80, derrière, la ligne d'arrivée est quasiment là, quoi. La bonne nouvelle, c'est que demain, c'est un peu plus court, 6 km de moins. Ouais, c'est une bonne nouvelle et j'espère que ça va rouler un petit peu aussi, qu'il y aura un peu de plat. Mais d'après ce que j'ai compris, on fait l'ascension du Djebel dans l'autre sens. Donc, à voir ça. Heureusement, c'est au début. Donc là, on va allumer un cierge pour faire en sorte que le vent s'arrête de souffler. Là, c'est ça, pour demain matin? Même pour cette nuit, non? De toute façon, quand ça commence, il y a forcément à un moment donné une fin. Donc, espérons que ce soit pour avant la nuit, c'est tout, quoi. Après, c'est comme ça. Hein. Si on l'a aujourd'hui, ça veut dire qu'on l'aura peut-être pas demain. Donc, au final. Faut espérer ça. Bonne chance pour demain à tous les deux. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Et coucou Alix. Tu ne fais pas ta manucure là, tu te soignes tes pieds ensanglantés, c'est ça? Tout à fait Guillaume. Oui, j'ai fait une bonne journée, je me sens vraiment bien malheureusement. Hier, j'ai un petit peu trop fanfaronné au sujet de mes pieds. Je n'avais pas d'ampoule. Et aujourd'hui, c'est la cata. Voilà. Donc là, c'est en plein soin, éosine et perçage d'ampoule par moi-même parce que là, il y a full à l'infirmerie.
Eh bien, bon courage. Mais ça va aller mieux. Ça va. Tu vas te soigner, c'est sûr. Regarde, oh putain, on vient de se prendre une de ces rafales. Regarde le beau cadeau. Petit concours de pied. Grosse ampoule de ouf aujourd'hui. On fait une petite photo des ampoules ou pas, concours ? Oh non, c'est pour la rassurer. Ok. Merci à tous les trois. Oh putain, je me prends le truc sur la tronche. Salut Meryl. Attends. Tu m'as surpris. Oui, c'est vrai. C'est un peu. Ouais, comme il n'y a pas les deux micros, c'est okay. Plus. Il y a une petite rythmique. Salut Meryl. Bonjour Guillaume. Alors, selon plusieurs témoignages convergents, on aurait constaté le départ de la tempête de sable juste après que tu sois arrivé. Est-ce que c'est toi qui as appuyé sur l'interrupteur en rentrant dans ta tente ? Non, c'est pas moi, mais effectivement, je pense que j'avais une bonne étoile au-dessus de moi aujourd'hui. Je pense à quelqu'un en particulier. Et quand j'ai passé la ligne, effectivement, il y a la petite tempête qui s'est déclenchée. Et je pense que ça a freiné un peu mes concurrents. Petite tempête ? Petite tempête, non, en fait il est 18h, je suis arrivé à midi, donc ça fait 8h que le vent souffle, que les tentes tombent, que les gars de la logistique là, remontent les tentes, c'est juste compliqué pour récupérer, pour se faire à manger, c'est pas possible, il y a du sable de partout, dans les narines, dans les oreilles, bref, on espère juste que ça se calme pour la nuit quand même, parce que... Une nuit comme ça, ça va pas être très réparateur. Donc, En termes de logistique, il y a des choses à changer. Il y a de particulier, c'est plus compliqué de se préparer, de se faire un feu par exemple. La tente, il faut la mettre des pierres dans tous les sens pour pas qu'elle s'envole. Oui, voilà, il y a quelques techniques pour reconditionner la tente, pour se protéger du vent. Et puis pour le feu, ben voilà, s'il y en a qui ont des petits réchauds avec des petits brûleurs, ben, c'est plus pratique. Et puis les feux, c'est à l'extérieur. Voilà, ben, après, si on protège bien le feu, on arrive à faire chauffer un peu d'eau. Et, sinon, c'est soupe froide, voilà. Et les pâtes qui croustillent. Voilà. Meryl, tu signes aujourd'hui une quatrième place, qui te fait aussi remonter à la quatrième place du général après ta septième place d'hier. On peut dire que ça a été une étape réussie aujourd'hui ? Oui, étape réussie. Bon, ça n'a pas été une partie de plaisir, hein, parce que sur les parties, le premier CP, deuxième CP, c'était le terrain était quand même très meuble, beaucoup de sable. Et puis voilà, je suis avec les deux autres Français là sur le deuxième CP. Et puis à partir de là, je n'ai pas trop regardé derrière. En fait, j'ai couru à mon rythme. Et puis ça s'est distancé. Et puis j'ai attaqué le Djebel. Et puis après voilà, j'ai vu que j'étais bien classé. J'ai quand même essayé d'accélérer sur la dernière portion là pour confirmer l'écart et prendre un peu d'avance au général parce que bon là on ne sait pas ce que demain nous prépare et surtout l'étape longue donc voilà toutes les minutes prises sont bénéfiques. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce que le terrain était plus adapté pour toi ? Est-ce que tu t'es senti plus en jambes ou il n'y a pas d'explication très rationnelle sur ça ? Bon, l'explication elle est assez simple, hein, c'est que contrairement à hier où on avait un terrain plutôt dur où les coureurs rapides pouvaient vraiment envoyer de la vitesse, là le terrain était vraiment, il y avait beaucoup de sable, beaucoup de passages sablonneux, des dunes, et donc là forcément ça nivelle un peu les niveaux, surtout, alors, je ne parle pas des Marocains qui font une course un peu à part, hein, mais moins pour les autres nationalités, voilà, c'est des conditions où l'expérience, voilà, le fait d'avoir déjà couru des MDS par le passé apporte beaucoup, hein, sur comment aborder les dunes, comment poser son pied, surtout pas se brûler, à essayer de garder une vitesse que de toute façon on ne peut pas tenir sur ce type de terrain. Et voilà, au fil des kilomètres, c'est voilà, je cours à l'économie d'énergie et à la fin, ben voilà, ça, il en reste un peu pour finir. Les tempêtes de sable, c'est des choses que tu avais déjà connues sur tes précédentes participations ? Oui, bah, c'est assez fréquent. Hein. Alors tempête, là c'est un vent de sable, c'est pas vraiment une tempête, mais c'est un vent quand même bien soutenu. On l'a eu aussi, oui, en 2018, et puis ouais, j'ai souvenir d'une grosse tempête sur la journée de repos en 2012, où on avait eu de la grêle même, de la pluie, de la grêle, avec un vent de dingue, et j'ai le souvenir d'avoir des duvets qui traversent le bivouac. Enfin, alors on se dit qu'il voilà, y en a qui vont forcément mal dormir le soir. Voilà. Faut savoir, quand on se couche le soir, là, on n'est pas à l'abri d'un vent qui se réveille à 1h, 2h du matin. Donc bien caler toutes ses affaires, bien qu'il y ait, voilà, pour pas qu'il y ait une chaussette qui parte dans la nature et puis faire l'étape du lendemain à cloche-pied. Quoi.
L'étape de demain, elle est un peu plus courte, 32 km, avec un petit retour par la case Djebel à nouveau. Je ne sais pas si c'est partiellement ou si c'est intégralement, si vous la faites plus ou moins, si vous faites plus ou moins dans l'autre sens, là, demain, je ne sais, voilà, sais pas exactement. C'est ça, on fait le Djebel dans l'autre sens. On a, je crois, une quinzaine de kilomètres avant, on va essayer d'aller chercher des dunes un peu plus à l'est. Et puis on revient sur le Djebel, on monte par... côté dune, alors pas sur la dune qu'on a descendue aujourd'hui parce que ce serait pas possible, mais on reste contre la falaise et on franchit la dune. C'est là où il y a le passage avec les cordes, là où il y a beaucoup d'images. C'est un peu l'image du MDS là sur le Djebel. Puis après, voilà, de l'autre côté, on retrouve le plateau qu'on a quitté tout à l'heure en prenant le Cap 65, et donc à nouveau du sable. Et voilà, donc demain, moi, ça va être une journée de transition. Je vais essayer de ne pas me griller à l'approche de l'étape longue, comme beaucoup de coureurs. Hein, je pense que voilà, les deux jours, la SLSA et celle-ci notamment, aura calmé beaucoup de monde. Donc demain, ce sera plutôt une journée cool, entre guillemets. Question habituelle, comment ça s'est passé pour tes camarades de tente de l'équipe Groupama? Ben, ils ont bien performé aussi. Hein, ils sont arrivés 10e et 14e, et puis un autre collègue aussi qui a dû arriver dans les 100 premiers. Bon, ils sont un peu entamés, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, mais bon, j'ai réussi à les remotiver là, et ils vont partir demain plein pot pour conserver notre deuxième place au classement général, parce qu'on est derrière les Marocains et on va essayer de conserver cette place. Meryl, course épique, c'est un peu le courrier du cœur aussi, et donc je voulais te transmettre un message que j'ai reçu de Anne-France Lelièvre, qui m'a dit que donc, c'était une de tes collègues et amies, et qu'elle était avec ta femme, donc elle t'a vu arriver quatrième, et qu'elles étaient folles de joie, donc elles m'ont chargé de te transmettre le bonheur qu'elles ont eu, en tout cas, à voir la brillante performance que tu as signée aujourd'hui. Ah bah c'est super, je suis super content. Effectivement, je les remercierai par mail, du coup. On leur envoie un petit message ce soir. Elles t'entendent, je suis sûr. Elles vont t'entendre dans l'épisode. Pour écouter l'épisode, bien sûr. Voilà, bah écoutez les filles, je vous embrasse, hein, et puis on espère que demain, on se retrouve dans les mêmes conditions de classement. Hein, on va dire ça. On n'est pas tout à fait impartiaux chez Course Épique, mais on est super content de cette quatrième place. Meryl, bravo, c'est génial. On continue sur cette belle lancée demain. Ouais. Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bravo, Samy. Bravo. Une arrivée en direct, donc. Ça va? Ouais. Impec. Dur, hein? Il y a du sable partout. Ah ouais. Et... On va dormir sur du sable alors. Bah en fait ils ont déjà secoué le tapis, c'est pour te dire. Déjà sablé en non, plus. Non mais je pense que ça sert à rien de désabler là. Ouais, je crois pas. Le sable transperce là. Je crois que t'as raison. Ok, on est prêt. Ouais, quand vous voulez. Okay. Fred et Cécile, là vous venez d'arriver il y a une demi-heure, la nuit est en train de tomber. Vous venez de terminer cette deuxième étape qui a été assez éprouvante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé, puis comment vous avez vécu cette étape au fil de la journée? En tout cas, je vous trouve avec un super moral là, je m'attendais parce que on a vu quand même des coureurs arriver extrêmement marqués, tout ça, de cette journée. Traîner la patte, je trouve que vous avez toujours et encore cette mine enjouée. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Écoute, je pense que je vais laisser Cécile te raconter une partie de l'étape parce que ça a vraiment été une guerrière. Je ne l'ai jamais vue dans cet état-là et en effet, elle est là, elle a le moral. Raconte-nous, Cécile. Ça a été très dur, clairement plus dur qu'hier. Déjà, c'était une étape de 38 km avec énormément de vent. Ce qui n'a pas du tout arrangé les choses, et une énorme montagne au milieu, et beaucoup, beaucoup de sable. Ouais, c'est ça aussi, beaucoup de sable, beaucoup de sable. Et t'as commencé à être dans la souffrance au 20e, quoi. Ouais, 18-20. Ça se matérialise comment, là, quand t'es dans la souffrance? C'est la tête qui gamberge, c'est physiquement, t'es un peu plus usé, tu marques un peu plus, comment tu te sens, t'as moins d'énergie? Oui, je suis plus faible, du coup, on avance moins vite. Et aussi dans la tête, on se dit qu'on va jamais arriver et tout ça. Et là, il y a les mots de papa qui relancent. Écoute, je fais ce que je peux. J'ai peur d'être un peu lourd tout le temps, à demander toutes les deux minutes si ça va, encourager et tout. Mais oui, je fais ce que je peux. Mais c'est vrai que la Cécile, elle était dans le rouge de chez Rouge. Elle a eu des moments où elle était... Je la sentais au bord des larmes. Elle me disait, je peux plus marcher, mes jambes me portent plus. Alors il fallait que je lui explique que si elle commençait à dire ça, ça voulait dire qu'elle pouvait encore marcher beaucoup plus. Et ça s'est vérifié, mais tu vois, la montée dans le... C'est un Djebel, hein, c'est ça. Hein, la montée dans le Djebel a été très très éprouvante pour Cécile. On faisait des pauses très très régulièrement. Le moral n'était pas au beau fixe, mais jamais, on a envisagé l'abandon. On a eu une petite frayeur un moment sur la barrière horaire, mais... Vous êtes passé à quel coin de temps, là, la barrière horaire, tu sais? Finalement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'avant de monter le Djebel, on est arrivé une heure, je pense, avant le blocage. Voilà. Tu sais que là, c'est papa qui te soutient, mais il aura besoin de toi aussi à d'autres moments, hein, parce que ça va alterner. Lui aussi, il aura besoin que tu le soutiennes pour les moments de moins bien.
tu seras au rendez-vous, j'en suis certain. Oui, oui, je le soutiendrai autant qu'il me soutient. À quel moment s'est invité le petit piment du jour, c'est-à-dire cette... Alors j'ai dit tempête de sable tout à l'heure, Meryl m'a repris, mais c'est du vent de sable, en tout cas, enfin, tout ce que nous on a eu sur le bivouac, je ne sais pas comment c'était pour vous sur le parcours. Vous, ça a été à partir de quel kilomètre qui s'est invité à la fête ? Nous, ça a été... 17-18, je pense. Ouais. Ouais, 17-18. Entre le premier et le deuxième checkpoint. Et déjà, le deuxième checkpoint, avec ce vent, nous paraissait interminable. Quoi. En plus, tu ne vois pas à 300 mètres, donc tu le vois au dernier moment. Ouais, t'as l'impression qu'il est à 20 km, alors qu'il est à 2. Mais non, c'était une très belle étape. Je suis sûr que Cécile en gardera un très bon souvenir, en fait. Mais là, elle est vraiment arrivée dans la souffrance, tu vois. Là, il restait 2 km avant l'arrivée. Et elle était là, mais et c'était roulant plutôt à la fin. Elle me disait, mais on n'arrive jamais, là, j'en peux plus, j'entendais souffler. Au moment où l'arche, ça commence à être concret quand même, non ? Ça redonne une petite lueur d'espoir et un peu d'élan ? Oui, oui, ça motive. Même si on la voyait de loin, parce que en haut du Djebel, on la voyait déjà. Ça, c'était pas trop motivant parce que ça paraissait loin, mais une fois qu'on était en bas, c'était bon. Vous avez vu que vous êtes passé à côté d'un point d'eau ? Ouais, à la fin, là. Ouais, bizarre, ça ressemblait à une rivière séchée, quoi, un peu. Ouais. C'était très surprenant, ouais. Le classement. Ah oui, le classement, bien sûr. Attends. Évidemment, il faut que je retrouve mon téléphone. Qui est... Donc c'est notre petit rituel depuis hier, le petit bingo des positions. Alors à votre avis, comment ça se passe aujourd'hui compte tenu de la difficulté de l'étape ? Comment vous en êtes sorti ? Quelle place ? Classement de l'étape ? On se dit qu'on est un peu moins bien placé. Ah ouais, on est moins bien qu'hier. Vers les 800. Ouais, moi je dirais ça, les 800. Alors vous aviez, effectivement vous êtes un peu moins bien, mais pas tellement moins bien, puisque vous êtes 727 et 728. Donc une petite trentaine de places de moins. Qui est en premier entre nous deux ? Qui est en premier ? Alors attends, je vais te dire ça tout de suite, c'est Cécile. Ah, c'est parfait. Ouais, c'est Cécile. Bon, très bien. Et donc devant c'est le Maroc qui est le trio tête, si ça vous... je ne sais pas si vous avez vu les résultats. C'est Aziz, le jeune outsider, qui a au cumulé, il n'a pas gagné aujourd'hui, mais au cumulé, il est premier au général. Ouais, il est... Mais qui a gagné aujourd'hui ? C'est Mohamed qui a gagné aujourd'hui. C'est Mohamed, Aziz, ensuite Rachid. Et en quatrième place, votre partenaire de podcast, on est super contents, Meryl. Génial, Meryl. Écoute, on l'a vu ce matin avant le départ, il nous a transmis un peu d'énergie là. Ouais. Il était super bien, il a très bien réussi sa course, et les Français ont bien marché, Julien Chaurier aussi. Et chez les filles, Sissi, éblouissante encore. Là, elle est deux, mais elle est top 20 au scratch. Oh là donc, là, elle est loin, incroyable. Je crois qu'elle est relativement loin. Parce que moi, je pense que son truc, c'est un peu ce qu'elle nous disait, son truc, c'est la longue. Donc j'attends de voir ce que ça va donner sur la longue, ça pourrait être intéressant, tu vois. Elle est tellement humble qu'elle n'envisagera jamais de pouvoir faire quelque chose. On a l'impression qu'elle est là par hasard, mais on sait très bien que c'est faux et ça fait plaisir de la voir comme ça. Demain, donc, retour presque à la case départ, vous allez revoir ce petit Djebel. Ouais. Tu savais, Cécile ? Oui, on nous l'a dit, ça me décourage d'avance. Mais... mais non, t'as un moral d'acier, ça va aller. C'est dur de dire quand je leur mange, et 32 demain, ça paraît court, mais en même temps, c'est dur de se dire qu'il faut repartir demain pour 32. Mais non, mais ça va y aller, bien sûr. On pense vraiment fort à vous, en tout cas, on est à vos côtés, soyez sûrs que vous n'êtes pas tout seul. Il y a moi et puis il y a tous nos auditeurs, et voilà. Beaucoup de gens qui écoutent et qui sont derrière vous, donc ça va bien se passer. Je continue à croire fondamentalement en vous et à votre enthousiasme. À demain. Bonne nuit, reposez-vous bien, je vous laisse. Salut Guillaume. Merci Guillaume. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode consacré à la deuxième étape du Marathon des Sables. Rendez-vous demain donc pour la troisième étape qui sera un peu plus courte, 32 km. Nul doute que les coureurs vont être assez éprouvés après cette grosse journée. Et derrière se profile la journée suivante, l'étape la plus longue qui fait quasiment 85 km. Donc là, on rentre vraiment dans le dur. Il y a eu un podcast aujourd'hui, donc on espère que tout ira bien pour tout le monde demain. Rendez-vous pour notre nouvel épisode. Soyez là, je vous attends avec impatience. Ciao !